Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et ils faisaient route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos ?» que vous échangez en marchant. » Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qui annonçait les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur, n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai. Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Me crois-tu maintenant ?
je ressusciterai en Jésus-Christ, mais je dois d'abord vivre en lui. Si je ne me sépare pas de la croix, l'Évangile se révélera en moi. Jésus pallie toutes mes insuffisances par sa grâce qui agit continuellement. La très sainte Trinité m'accorde sa vie en abondance par le don du Saint-Esprit. Jésus ressuscité vient à nous avec un don de la paix et remplit nos cœurs avec un don de l'amour miséricordieux. Aujourd'hui, il m'invite à regarder avec les yeux de la foi, de le toucher et de le recevoir dans la Sainte Eucharistie.